vous avez une bonne. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Go partie est. Par contre, cette physique, Jill, my. Non mais attends, à mon avis, t'as pas de soutien-gorge pour que ça rebondisse comme ça. Petite coquine, va. Parce que j'ai jamais vu en vrai une fille avec qui est bien fournie voir sa poitrine rebondir comme ça. Sans soutien-gorge en tout cas. Il est où ce con? Il est là. Tac tac tac. Putain. Je peux pas. Non, un moment, je commence à vouloir regarder où il est. Saloperie, garde-le pour toi. T'avais faim? Voilà. Voilà. Bon appétit. Et me suis pas. Putain, mais non, mais t'es pas sérieux, mec. Vous pouvez pas être derrière moi. Maison de barque. Et cette porte. Voilà. Voyons voir. On est à l'extérieur, mais ça va, on est sur un balcon. Les chiens, c'est non. Personne. Il y avait un couteau aussi. Une plante verte. On a utilisé le banc comme support. Forrest a rendu l'âme. On dirait qu'il est mort depuis un bout de temps. Dans l'original, on voit, il y a une autre ligne de dialogue, c'est qu'il s'est fait bouffer par des corbeaux. Ouais. Lance-grenade. Allez. Putain, en plus, c'est pas un petit lance-grenade, hein, tu vois, il y a même la crosse et tout. Hein. Les grenades sont déjà chargées. Attends, y'a rien? Y'a pas des... Des herbes vertes? Ah! Non! Quoi? Et mon taser! Mon taser! Quoi? Pourquoi il m'a mordu? Non, attends. Non. 1, parce que tu m'as bouffé. 2, parce que t'es un membre des Stars. Voilà. Bonne nuit. T'es mort? Ouais, voilà. Ça fait mal. Je crois qu'à mon avis, tu peux pas le parer, lui. Parce que c'est un zombie spatial. Ah ouais, mais là je suis blessé. Ah ouais, mais là ça remet tout. Ouais, mais je peux pas passer par le rez-de-chaussée. Il y a des zombies et il y a un chien que j'ai laissé en vie.
on va repasser par là. De toute façon, ce couloir, en plus, on n'a pas vraiment vérifié les portes. On a juste fait la porte du fond. Elles sont pétées, les assiettes. Il n'y a que des bibelots sans importance. Il y a quoi à gauche? C'est un cul-de-sac, hein. Mais il y a une porte. Il y a la porte du milieu que j'aimerais bien vérifier. Voilà. C'est mort? T'as je sens? Non. C'est mort vivant. Oh putain, l'autre est rapide. Oh la fuite! Il passe pas les portes. Ouh. Enfin, ça dépend. Ouh. Ok. T'as été rapide le train par contre. Ok. Ok, on va vérifier. De toute façon, au pire des cas, on a notre grenade. Hein. Ouais, faut pas nous chercher. Hein. Ok. Au pire, ça nous sert à rien. Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil. Il y a un bouton appuyé dessus? Non. Je sais pas si tes parents t'ont... Jill, est-ce que tes parents t'ont appris quand t'étais gosse à pas appuyer sur des boutons et t'es marqué « Malheur à ceux qui osent appuyer dessus ». Non, sans déconner. Alors, il y a un objet dans la cavité, mais la grille vous empêche de le prendre. Il y a les quatre boucliers. Il y a les statues au-dessus. Bouclier, hache, épée, lance. Ok. Bouclier. Hache. Épée, et c'est plutôt une hallebarde. Ça fonctionne pas cette merde. Attends, lui il fait quoi? Lui il fait quoi exactement? Ok. Bah voilà. Voilà. Déjà, c'est du bullshit, hein, jeu, puisque j'avais déjà poussé celui-là. Ça aurait dû verrouiller le truc. Donc, j'imagine que maintenant, c'est bon. Bah, voilà. À moi. Boîte mystérieuse. Alors, ok... Attends, merde. Comment je fais pour retourner cette merde? Voilà. Il y a un motif représentant le soleil et la lune. Sur la plaque, on peut lire. Je m'éveillerai avec la lumière du soleil. Les cœurs? Il y a un bouton appuyé dessus? Bah oui. Oui. Attends, le 360 no spin de la boîte. Il y avait un masque intérieur. Yay! Et lui, il a rien. Ok. Plus que deux. Allez, on se casse. Il reste une porte qu'on n'a pas vérifiée et après c'est bon. Après, il reste le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée par Céleste.
Richard. T'as rien de vivant ici. What happened? You're wounded. Captain Obvious. Whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? Oh fuck. A big snake. And it had to be poisonous. Oh fuck. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Ouais, il faut se dépêcher par contre. Parce que vraiment, là, le temps dépend de, en fait, si tu prends trop ton temps, t'as 3 cinématiques possibles. Il est déjà mort. Tu... Ouais, ok. Donc, on se grouille. On en profitera aussi pour prendre du Doliprane pour nous, hein, voilà. Juste un. Hop. Et on va passer par le balcon. Parce que cette fois-ci, il n'y a pas de zombies, hein. Attends, non, ça va aussi, les zombies. Non. T'as compris, instant. Putain, j'aurais dû l'introduire dans mon plan, en fait. Pour paraître trop intelligent. Non, demi-tour. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui, ouvre la porte, allez. Hop. Putain, j'avais complètement oublié ces herbes. Voilà, putain, ça, c'est bon, ça. On gaspille pas les herbes. Tout a une utilité. J'ai rien compris. 360 no spin. Ça n'en était même pas un, mais j'aime bien dire ça. 360 no spin, no flex. Tu vois, ça veut rien dire, mais moi j'aime bien. Alors, c'est ça? Voilà, sérum. Je peux même poser ça. Attends. Voilà. Allez. Cette fois-ci, je pense que je vais repasser par le rez-de-chaussée. Parce qu'il y a un zombie à l'étage. Genre, je refais le tour et je repasse par la porte que j'ai déjà déverrouillée. Tu vois, je passe par là et après, littéralement, la porte que j'ai déverrouillée, je repasse par le hall. Allez. Oula. Oh, c'est pas safe du tout, en fait, ici. Merde. Oulala. Ici, par contre, c'est... Non, c'est pas... J'ai pas tué lui. Mais la partie ouest, en fait, c'est de la merde. J'ai tué personne en rez-de-chaussée. Allez. Oh, pas de course. Allez. J'ai quand même pensé à ma gueule avant d'aller chercher directement en Y le sérum. Hein. Quand même, hein, faut pas déconner. T'es mal en point, mais moi aussi j'étais mal en point. Ok, dis-moi que j'ai été, attends. Allez. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Et y a pas l'air bien. Hein. Jill, here's my radio. Ça ressemble à quelqu'un qui est en train de crever, ça. Take it. I'm. Does it ever not hurt? Espèce de connard, il nous avait fait. Franchement, il m'a fait peur. Parce que vraiment. Attends. Voilà, allez, redresse-moi. Oh putain, mais son bras. Oh. I'm okay. Ah non, t'es pas bien. The others. Ils vont moins bien que toi, en tout cas. Richard se repose. Vous devriez peut-être le laisser tranquille pour un moment. Ouais. Ouais, parce que soit tu peux arriver et il est déjà mort. Soit on a eu la bonne fin. Là, ou soit t'arrives, mais il crève dans tes bras, en fait.
Tout dépend le temps que t'as mis. Ça, par contre, je prends. Je prends. Hop. Ensuite, y'a quoi là-bas? Attends, il avait dit un serpent. Un serpent géant. Attends. Je déconne pas, moi. T'as cru que je joue, là le... Non, je rigole pas. C'est verrouillé, l'emblème d'un bouclier gravé sur la serrure. Par contre, on voit les traces. T'as vu les traces de sang, là, sur le mur? Et par terre, c'est sûrement celui de Richard. Oh putain, le jeu de lumière. Y'a quoi ici? On dirait une petite cuisine. Enfin, une petite salle à manger. Des balles de pistolet, c'est bon. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Des bougies éteintes. Ok. Il faut un briquet. Par contre, là, j'ai des balles, mec. Là, par contre, ça va chier des bulles. Oh bah... Oh bah non. Oh bah non, pas besoin de chier des bulles. Oh bah non. Le mec, il me laisse passer comme un gentleman. Contrairement à tous les autres. Ça va, Richard? S'il y a un truc qui gratte à la porte, fais pas gaffe. Hein. C'est pas un zombie. Attends, la carte. Il faut retourner dans le couloir, celle de en haut à droite. C'est pas mal ici. Le couloir est vraiment large. Putain, pour changer, hein. Attends, il faut attirer l'autre. Voilà. Allez, viens. Allez, viens. Arrête de faire des zigzags. Mais connard! Mais sans déconner! Mec, j'attends qui... Putain de merde! Ah non, toi par contre, ah non, toi tu bouffes. Ah non, non, vas-y, lève-toi. Lève-toi. Et où sont tes pompes? Putain, j'attends qu'il fasse son petit mouvement vers l'avant, là, il a rien fait. Oh, je te jure. Et je veux pas qu'il se relève, lui, je vais le cramer, lui. Lui, il va bouffer, lui. Putain, mais je suis encore blessé. Oh. J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite. Utilisez-les en cas de coup dur. Ah ouais, si y a Wesker. Merci, Barry. Mais quoi? Oh! Oh yes! Deux chargeurs, les gars. Et un doliprane liquide. Oh yes! C'est exactement ce dont j'avais besoin là, actuellement. Voilà. Ça, on range. En vrai. Non, on range. Ça, on range aussi. J'ai pas envie de tout gaspiller. Tac. Qu'est-ce qu'il nous fallait exactement, là? À part la clé... Ah, oui. C'est bon. Et comme ça, en plus, on allumera les bougies, au passage. C'est parfait. On a un plan. Attends, on peut passer par là. Ok, attends, j'ai pas beaucoup de place. Non, on fouillera cette porte après, puisque cette porte, elle est tranquille. Cette porte, elle est... Elle est Gucci parce que c'est à côté de la salle de sauvegarde. Il n'y a pas de zombies, il n'y a plus personne. C'est bon. On va juste cramer
Le cul de celui-là. Toi, tu l'as bien cherché, toi. Et toi, je t'ai pas oublié aussi. Voilà. Attends, vas-y, faut faire gaffe. Faut se brûler. Si tu restes sur le zombie pendant qu'il crame, tu peux cramer aussi. Tu prends pas beaucoup de dégâts, mais... assez quand même. T'as cette moquette dégueulasse. T'as, plus tu montes et plus c'est dégueu, quoi. C'est croulé comme un vieux déchet. Attends. Est-ce que je peux économiser les balles? Ouais, on a économisé une balle, je pense. Ah, monsieur fait ça timide. Ouais, voilà. Attends, t'es mort? T'es mort ou t'es mort... mort vivant? Il est mort. Ok. Progrès. Ah, je colle pas le... Ouais. Voilà. Bah voilà, c'est tout de suite mieux. Y'a quoi ici? Sur les étagères se trouvent des vieilles ravins. T'avais besoin de lumière pour analyser ça, Jill? S'il te plaît. S'il te plaît. Je te jure. Oula. Non. Non. Sors. Jill. Sur quoi t'as bugué? Entraînement militaire, s'il te plaît. T'as dansé à tomber et à te bugger sur les trucs. Ah, la partie musicale. Ok. Vas-y, tiens. J'ai allumé les bougies. Invite quelqu'un d'autre, mais sans moi, tu vois. J'ai pas envie d'être la troisième roue. Hop. Attends, j'ai pris la partition musicale. Ok, on peut retourner dans la partie ouest. Mais. Il y a des choses encore, il y a deux. Il y a une porte et une porte qu'on n'a pas fait. Il y a deux portes. En espérant que la poignée elle casse pas. Parce que si elle casse, on est dans la merde. Attends, si, il reste aussi cette porte là, putain, je l'ai déverrouillée mais je suis pas allé. Attends. Tellement de choses à faire. Il reste du kérosène ici. Il ne reste plus une goutte de kérosène. Oh fuck. Je me rappelle du bidon là, aussi avec les chiens, derrière la grille, mais je joue pas la carte du chien qui reste derrière le grillage tranquillement. Voilà, l'opus 27, parfait. Je vais aller les poser tout de suite aussi, ça. Voilà. Non, mais putain, oui, la porte à l'étage. Je vais pas m'encombrer des masques, pas maintenant. Voilà. C'est quoi, je peux même poser le couteau. Je reprendrai après.
Ok, alors... Oh, une herbe rouge. Ça, c'est Gucci, par contre. Ça, c'est trop bien. On se met trop bien. Il y a une grande éraflure dans le mur. Ça ne semble pas être l'œuvre de ces créatures putréfiées. Alors forcément, c'est pas ce mur-là. Hein. C'est... Là, on voit un petit trait, là. Même si c'est difficile à voir. En tout cas, il y a un truc qui s'est fait charcuter ici. Hein. Et vu que le journal de l'autre disait qu'il y avait des monstres... Ça se plante de caméra. De gros vislards. Il n'y a rien dans les tiroirs ni sur les étagères. Ces empreintes de pas semblent traverser le lit. À tous les coups, il y en a un qui s'est fait bouffer ici, tu vois. Le zombie, ou alors il a essayé de se tu vois, en sautant par-dessus le lit, tu vois. Sauf qu'il s'est fait finalement bouffer, j'imagine. Cool. On dirait que quelqu'un a pris quelque chose avant de partir en hâte. L'argent de YouTube. Y'a plus rien ici. Putain, c'est misère sexuelle. Voilà. Par contre, qui a allumé les bougies? Non, mais sans déconner, je poserai tout le temps cette question. Oh, le sang! T'as vu le sang sur la porte? Attends, c'est un détail que j'ai jamais vu, ça. Wow. Tu vois, là, regarde, en bas, y a rien. Mais regarde ce côté-là. Qui confirme ma théorie que quelqu'un s'est fait grailler ici, qui s'est relevé et après qui a vagabondé en tant que zombie. Ouais. Regarde sur le bas, en bas à droite. Tu vois, genre, une éraflure. Enfin, une éraflure, une éclaboussure de sang. Ou peut-être que je tripe complètement. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Beau. Jill. Barry, I didn't mean to get you. Comment t'as fait pour rentrer alors qu'il y avait fermé? Anyway, you should read this. C'est quoi? C'est J.K. Rowling. C'est ça? Testament du chercheur. Ma chère Alma. Une lettre a été glissée à l'intérieur, le haut a été déchiré, le reste de la lettre est encore lisible. Alma, je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir. Mais malheureusement... Ah, la lecture qui me fait toujours bailler, hein. Ça changera jamais. Mes efforts ne peuvent que retarder l'inéluctable. Je suis contaminé et je n'ai aucune chance d'échapper à mon sort. Je n'ai d'autre choix que de m'ôter la vie avant de perdre ce qui me sépare de ces monstres. Je t'envoie tout mon amour. Dans une heure plutôt, j'aurai refermé mes yeux à jamais et je connaîtrai enfin la paix. J'espère que tu comprendras mon geste. Je suis désolé. Martin Crackhorn. C'est quoi ce nom de famille? What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. On dirait qu'il regarde le texte comme si... C'est quoi ces choses qui font des bâtons? Jill, ce sont des lettres. Ah quoi? C'est donc ça des lettres? Oui, et des lettres ensemble forment des mots. Et des mots ensemble forment des phrases. Et des phrases ensemble forment des textes. Tu vois le truc complètement con. Ouais. Divers types de hameçons. D'après l'odeur, cet aquarium a dû abriter des êtres vivants. Peut-être s'en servait-on pour élever des sortes de créatures. Le récipient est rempli d'insectes morts. Spécimen d'abeilles. Ouais. Différents leurres de pêche. Leurre d'abeilles. J'imagine, hein. Leurre d'abeilles et le leurre, je le mets là-bas. Voilà.
des spécimens d'insectes. Et là, t'appuies. Parce que c'est vivant, ce truc. C'est-à-dire que Jill l'a mis dans sa poche alors que c'est vivant. Ouais, par contre, moi, les guêpes, c'est un non. C'est un non instant. Non, non, lâche-moi. Non, 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 dégage, dégage. On rentre plus jamais ici. Ah non, moi, ça me... Les guêpes, c'est... Non, c'est un non. C'est un non instant. Il m'est arrivé... Tu sais qu'une fois, justement, c'était mon cousin. J'étais en vacances... chez de la famille. Qu'ils ont une ferme, d'accord? Tu sais jusque-là? Et en gros, ils avaient un moment... Eux, ils savaient, ils ont un ancien poulailler et tout, mais ils savaient qu'il était plus utilisé, mais ils savaient aussi que mon cousin savait, qu'il avait à peine 2 ans, je crois qu'il y a 2 ans de plus que moi, et il savait pertinemment que qu'il y avait un nid, pas d'abeilles, je pense pas que ce soit des abeilles, c'était des guêpes. Il y avait un nid de guêpes dans l'ancien poulailler, qui était plus utilisé depuis des années. Et il me fait, tu vois, en jouant, tu sais, on jouait encore, vraiment l'âge où tu joues avec des bâtons et tu penses que c'est des mitraillettes. Ouais, c'est pour te dire. Et le truc... C'est qu'il me fait, à un moment, il me fait, ouais, viens, viens là, et il me dit, tu vois, il m'incite à rentrer dans le poulailler. Et quand je rentre dedans, forcément, la ruche, elle était littéralement, tu vois, collée à la porte. Et ben, j'ai dérangé toute une ruche, et j'ai dû courir, parce que c'est une ferme, hein, tu vois, donc là, jusqu'à la résidence principale, et j'étais couvert de piqûres de guêpes, dans le cou, dans le haut du dos, les bras et tout. Non, forcément, je te dis, forcément, ça a laissé une petite trace, tu vois, psychologique. Sur quand je vois une abeille. Une abeille et une guêpe. Jusqu'à un certain moment, c'était aussi les abeilles. Mais j'ai appris à leur pardonner de quelque chose qu'ils n'ont jamais rien fait. Mais les guêpes, par contre, j'en vois une. Je verrouille tout le bâtiment, tu sais. C'est, j'appelle j'appelle toute la police et les pompiers pour verrouiller le quartier entier, tu vois. Ouais, vraiment, c'est. Ouais, c'est à ce moment-là. Et voilà, quoi. J'imagine que je suis pas le seul à avoir vécu des merdes comme ça, quoi. Que ce soit avec des araignées ou des guêpes ou ce que tu veux, quoi. Après, quand je les vois dans les jeux, les guêpes, c'est vraiment, ça me pose aucun problème. C'est vraiment dans la vraie vie. Juste dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça me... Oula ! On va se calmer. Il y a juste ça, en fait. Tu vois, c'est comme... c'est pas un délire que je partage avec beaucoup de gens qui ont des phobies. Par exemple, la phobie des araignées. Mais que même en jeu vidéo... Ouais. Même en jeu vidéo, ils peuvent pas, en fait. Ils peuvent absolument pas voir en peinture des araignées. Alors que moi... Attends, la poignée, elle est pas cassée. Non, ça va. Attends. Non, ça va. Alors que moi, c'est juste en vrai, en fait. Je sais pas, c'était... Oula. Attends, on peut survoir la blessure à son cou. Oh, Jill! Yes! Dernière balle du chargeur, mon gars! Oh là là! Allez, remets-toi de ça, quoi. Toker. Putain, quoi. Attends. La porte. La porte est fermée. Voilà. Et là... Voilà. Donc c'est la dernière porte. On va vérifier ce qu'il y a là-bas quand même. Le gardien n'est plus. Comme les chiens. Aussi, il a peur des chiens. Il y en a qui ont peur aussi quand ils le voient dans les jeux vidéo. Alors que moi, dans la vraie vie, je kiffe les chiens. Enfin, pas les petits. Les petits chihuahuas, les petits chiens comme ça, les petits rageux là. Oh, je préfère les gros, tu sais, les bergers allemands ou les bergers australiens. Avant, j'étais un gros fan des labradors, mais c'est tellement surcoté. Quoi? Ah! En parlant de merde. Ah. Voilà. En parlant de petite merde, là. Dans les jeux vidéo, je supporte pas les chiens. Ça court, c'est chiant à viser. Ouh. C'est verrouillé. Il y a quelque chose d'inscrit dans la pierre. Le profanateur du cercueil maudit. Ouais, bon. C'est sûrement lié au masque, hein.
Donc j'imagine que quand on aura les quatre masques, on aura le profanateur du cercueil maudit. Donc on aura un truc dans le cercueil qu'on mettra ici pour se barrer. Ok, ça fait du sens. Tu vois, il y a un plan. Oula. Oula, les corbeaux. On sait ce qui est arrivé à Forrest. Apporter la lumière de la vérité aux trois esprits. L'image d'un héros portant un bracelet. Sorti d'un vitrail jaune. Oups. Attends. Tu sais que dans l'original, ici tu peux courir en vrai, dans le remake. Mais dans l'original, tu courais, tu dérangeais tous les corbeaux. Instant. Ils te couraient, ils te plongeaient dessus, comme les mouettes dans Nemo. Ils plongent sur toi, mais façon horrible. Alors, Lisa protégée par les trois esprits. Une femme portant un bracelet, un collier et une couronne. Le bracelet est orange, le collier violet et la couronne verte. Non. Bon, au final, le bracelet orange, j'ai de la chatte. Enfin, je savais que c'était ça, mais j'ai vraiment un pied au pif. Je voulais juste partir. Ça, je porte un collier. C'est ce qu'on veut. Là, je sais ce que je fais, mais je m'attendais pas à avoir un pied sur le premier mitrail. Et voilà la couronne verte. Voilà. On est où exactement? Ouais, ça donne dehors. Tu vois la petite grille? Ouais, attends. C'est d'amoureux, toi. Allez. Voilà. Et un masque. Sans bouche. C'est celui où justement on dit qu'il y a une bouche de suceuse. Ah non, c'est l'autre. C'est celui-là. Toujours là, l'autre. Ah, il est là, on voit son bras. Mais lui, par contre, il se fait plaisir. Hein. Après, on est en juillet, donc il doit commencer à faire bon, mais être torse nu comme ça aussi. C'est un peu frisqué, non? On n'a pas envie de courir pour déranger le zombie. Hein. Il m'a déjà chopé une fois, non merci, pas deux. Hop! Oula! Oula, il y a du sang qui sort du cercueil! Ouais, et il y en a maintenant sur la caméra. Je me demande ce qui est écrit en. C'est du littéralement du grec, mais j'imagine qu'il est marqué le mal qui ne voit pas le mal, qui ne le sent pas, qui ne voilà. Qu'est-ce qui était marqué sur le texte? Allez. Ah non, il est posé tranquille. Hein. Il est dans son jardin avec des tombes. Pourquoi pas? Bon, c'est une maison normalement, une maison normale avec des gens normaux. T'as une table, tu sais, les fameuses tables en plastique, avec les chaises en plastique que Virgile adore. Et t'as une balançoire aussi. Mais bon, est-ce que c'est une maison normale? Ça, c'est simple, je pose la question. Attends. Ah, la poignée. Tu vois qu'elle a pas pété. Ça a l'air d'être correct. Ok, il me faut la partition. Il me reste plus que ça. Enfin, je pense qu'il me reste plus que ça à faire. Parce que là, je pense qu'on a... On a tout clair, là.
La salle à dîner, la dining room. Non mais c'est là où il y avait le blason encore à prendre. Donc il y a sûrement encore un truc à apprendre. Le piano. L'œil du tigre, forcément c'est en rouge. Et bah forcément il y a le truc dans le cercueil quoi. C'est pour ça que c'est encore rouge. Et après tout le reste c'est des portes que j'ai pas pu ouvrir. Donc Cool. On peut sauvegarder. On peut être fier de nous.